je marchais, j'étais en train de me dire. Ah, je crois que je me suis fait flinguer et tout. J'ai investi tellement de trucs, tellement d'efforts dans l'accomplissement de certaines choses. Et puis quand tu vois que tout ça, ça peut être balayé d'un revers de main. Après tu te dis, ouais, peut-être que c'était crucial en fait. C'est comme une vie qui a disparu, tu sais. C'est pour ça, cette sensation de s'être fait flinguer, il y a une façon d'atténuer la douleur de ça, c'est de se dire, bah tu continues à vivre, tu continues à faire ce que tu fais. Et ça paye, si ça paye pas, tant pis. Si c'est quelque chose que tu crois profondément au fond de toi, tu peux continuer à le faire parce que tu as toujours l'énergie. T'as toujours cette, comment on peut dire, le feu sacré. C'est un peu ridicule, mais c'est un peu réaliste quand même. C'est un peu cette énergie qui te dit que il va falloir continuer. Il va falloir trouver une façon différente d'exprimer ce que tu as envie. Si sous cette forme première, ça va pas marcher. Voilà, je pense que c'est un peu trouver d'autres façons de formuler ce que tu as envie de dire.